merci. Je suis parti avec là et je retourne avec le à Québec. D'accord, ouais. Ok. Ça doit être notre radio. Bon, c'est de RH. Bonne du Fox Novembre Alpha, point d'attente 08h, je suis prêt. Novembre Alpha, maintenez avant point d'attente, éveillez 118-6. Je maintiens dans le point d'attente, je veille 118-6. On lâche les freins. Lognes tour de Fox Delta Alpha Victor Novembre, bonjour. Dans légèrement gauche. Badin actif. Fox Victor Novembre, tour dans en profondeur. 37-30, rappelez quoi. Talon au plancher, c'est mieux. 47. Lognes tour de Fox Victor en vente arrière 08. 54. 55. Fox Victor Novembre, on se en 37-30, on rappelle à Echo. Un petit panier d'accélération. Forme numéro 3, trafic précédent, Robin, rappelez la piste. Fox Echo Victor 1, Robin, rejoint en inventaire devant vous, il est pour la dure, numéro 2 derrière lui, un peu final de rue gazonnée, Echo Victor. C'est pas l'habitude qui nous envoie, on reste arrivé. Il faut que je sois posé dans une heure puisqu'il y a un pilote qui fait là. On est actuellement à 1300 pieds. Tu l'as bouché là. On va faire le tour de la partie aquatique de Disney avant de reprendre l'autoroute et de revenir sur Echo pour une intégration complète. Ok, je vois où on est. Fox India Alpha, c'est bien, on rappelle Echo. On rappellera Echo, on est dans 5 à 8 minutes. Ah oui, ok. Alors on est un peu plus loin que je le pensais, ouais. Ah oui, d'accord, non, je pensais aux autres là-bas. Donc tu veux faire une arrivée sud? Ouais, s'il te plaît. Et eh ben, les commandes à gauche. Les commandes à gauche. Donc tu vois, t'as le point novembre qui est un peu plus loin là-bas sur la droite. Ouais, il y a un appareil à droite. Un appareil, voilà, qui en sort probablement. Rigidity 10 kilometers. Temperature 24, QNH 1020, sunset 1941, UTC, initial contact confirmed information Charlie received. Information Charlie enregistrée à la valeur UTC, piste 08 en service. Attention escalière, vent 0,50 degrés 7 nœuds, variable du 0,20 degrés au 0,90 degrés. Visibilité 10 km, température 24. QNH 1020, 2,0, coucher du soleil 19h41, UTC au point de contact, confirme information Charlie reçue. Good morning, CTR information Charlie, reported at 0900 UTC, UTC, caution. Alors, ouais, tiens, c'est intéressant ça. 050 degrés 7 knots, variable. Alors, Novembre, il est où là? Alors, attends, on va rebouge pas. Ici, crac. Novembre, il doit être juste à gauche là-bas. Ah non, il est plus loin devant. Plus loin devant? Ah oui, oui. Ah oui, c'est vrai, c'est ces repères là, là-bas. C'est la voie de chemin de fer en fait qui ramène à Novembre. Ça là? Ah ouais. Non. Faut que tu la croises? Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. La voie de chemin de fer et à gauche, Novembre, il est voilà. Voilà. Et voilà. on voit les pylônes et tout ça, c'est par là. Voilà. Okay. En fait, il y a un tout petit repère ici, bon, mis à part le hangar, hein, le grand hangar, c'est la ligne de peuplier là, qui est le long de la voie ferrée, tu vois. D'accord, voilà. Okay. Ouais. Et, mais sinon, c'est le grand hangar, la voie de chemin de fer passe devant, après elle rentre dans la forêt, t'as le transfo, et après ça. Le point de... on voit bien la voilà. Formale. Voilà. Ok. Allez, on va appeler Lognes. Lognes du Fox Novembre Alpha, de retour d'inscription secteur Est avec l'information Charlie, pour une entrée secteur Sud, c'est possible un retour secteur Sud. Fox Novembre Alpha, Lognes pour rebond en transpondeur 37-31, rappelez 30 secondes verticale tour 1500 pieds. 37-31, affiché, je rappelle 30 secondes verticale, 30 secondes verticale. Oui, merde, 1500 pieds, 1500, ah, 1500 pieds, d'accord. Donc oui, il y a 2500 pieds, Fox Novembre Alpha. Bah, descends pas plus, hein. Alors, là que je me recadre, ok, ça y est, c'est bon. Pas de trafic en sortie. Voilà, tu passes dans le couloir là entre les deux bleds là. Ok, on va aller survoler les maisons et après hop, direction, tu connais. Ah, justement, c'est ça le truc, c'est que je l'ai pas fait depuis très longtemps ça. Eh ben voilà. Donc en fait, tu vas suivre les lignes à haute tension. Il y a une espèce de couloir de verdoyant là qui t'amène au hangar vert. Ouais. Voilà. Voilà, tu vois les lignes à haute tension sur ta gauche, voilà, donc tu vas tout droit et tu vas les intercepter. Après tu as la Nationale 4. Ouais, en fait on est entre les deux, c'est ça? Voilà, tu vois, tu es dans l'entonnoir entre les lignes à haute tension et la Nationale 4. D'accord. Voilà, donc tu suis cet entonnoir. 1500 pieds par contre, attention. Ah, ouais, ouais. Donc je vois les lignes, je vois la nationale, voilà. Et derrière je sais qu'on voit un truc quelque part, on ne voit pas encore là. Alors dans le pire des cas, tu sais que la nationale 4 elle va se jeter dans la francilienne, et la francilienne elle t'amène à Lognes. Donc le problème c'est que l'intersection des deux, elle est dans la CTR de Paris. Oh, pas beaucoup, hein, mais elle est dedans. D'accord. Il ne faut pas aller à l'intersection. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait la partie sud, elle est vraiment dans la CTR, quoi. Là, le carrefour entre la N4 et la francilienne, elle est dedans, mais au bord et elle est à l'intérieur. Donc nous, en fait, on va se donner comme guide la zone d'habitation qui est là. Alors si tu la tangentes et si tu suis les lignes à haute tension, t'es bon. D'accord. Voilà. Donc tu as tes lignes à haute tension qui coupent la Nationale 4 juste à hauteur des habitations là devant. D'accord, donc on voit le regroupement de toutes les antennes, enfin de tous les pylônes. Tu as le transformateur au bout. Quand tu es au transfo, tu vois le hangar vert, on le voit ici déjà. Alors je vois le terrain, et après derrière, le hangar vert, oui, d'accord, ok. Tu as le hangar vert, la petite forêt, et la piste. Voilà. Ouvre un tout petit peu à gauche pour éviter le survol des habitations. Ok, donc là on passe vraiment sur la partie verdoyante. Oui. Et ton hangar vert, c'était 30 secondes de la verticale. Ok. Voilà, tu vois le carrefour entre la francilienne et la N4. Ah oui, d'accord. Ah oui, pile la limite de la CTR, donc faut pas jouer trop avec. Ouais. Voilà. Ok. Donc, voilà, ici, le transfo. Le transfo, le hangar vert, la piste. 30 secondes. Voilà. Et tu vois, ta limite de CTR, elle est là-bas sur la gauche, donc tu as quelques centaines de mètres de rame sur ta gauche, mais pas beaucoup. D'accord. En fait, dès qu'on voit les maisons, c'est que ça commence à puer de bon. Ah, voilà. Si on voit les maisons sans le terrain devant, voilà, c'est mauvais. Fox India Alpha, vertical Echo 1150 pieds. Fox India Alpha, entrée rappelée, vent arrière main gauche, piste 08. Entrée rappelée, vent arrière main gauche, piste 08, Fox India Alpha. C'est préférable plutôt que d'arriver plein de balles là-dedans, en fonction des options qu'il va te donner, ouais, ou du anti. Voilà, tu ralentis, tu mets ta montée, tous les phares et en prendre relais, comme ça tu mets là. On a tous les phares, on reste les minutes entières, on en profite pour ralentir, voilà. Alors avec ou sans volet au choix, hein, moi je conseille aux gens de mettre un grand volet parce que on n'a pas tellement l'habitude d'utiliser la configuration d'attente, c'est clair. Mais voilà, on se met en approche. Bonne tour, Fox Novembre Alpha, 1500 pieds, 30 secondes vertical devant. Fox Novembre Alpha, trafic Aquila Pass, Echo pour la vente arrière, entrée, vente arrière, main gauche, il y a vertical tour. Visuel sur le trafic en début de vente arrière, je rentre pour un vente arrière, main gauche, je rappelle vertical sur Novembre Alpha. Donc Novembre Alpha, entrée vente arrière main gauche, en fonction de ce trafic, je vous propose d'ouvrir à droite pour passer derrière lui, rappeler début de vente arrière main gauche 08, Fox Novembre Alpha. Bien reçu, j'ouvre à droite pour passer derrière l'appareil, Fox Novembre Alpha. Hop là, oui. Ok, j'ai visuel. Voilà. Et tu descendras quand tu l'auras dépassé, tu vois. D'accord, ok. Ok, quoi qu'il se fasse après, voilà. Donc on est... Voilà, tu peux prendre à gauche dès maintenant parce que ouais, tu vois le temps qui passe devant. Donc, ouais. Voilà. Voilà, tout droit maintenant, c'est bon. Là, voilà. Et là, tu peux te mettre en descente tranquillement vers 1200 pieds. En fait, il n'a pas fait un bon calcul, le contrôleur. S'il avait calculé les vitesses, Kilo Hotel, c'est là il aurait vu qu'on pouvait passer derrière, largement. Voilà, top. Ok, 1300, 85 nœuds. L'intérêt d'être ralenti en arrivant, c'est que si tu as besoin de plus accélérer. Alors inversement, voilà, tu vois là, tu as un espacement qui est très suffisant. Ouais. Et si tu veux faire des tours de piste, quand tu te rentres derrière, tu annonceras tes intentions. D'accord. Ouais. On est bilan derrière l'hygiène pour le trafic, donc la tête pour un toucher en 0,8. Dur et suivi de tour de piment. C'est bien pris pour les enfants sur numéro de trafic précédent à qui la base rappelée, c'est la petite 0,8 dur. Numéro derrière, là je rappelle final 0,8 dur. Voilà, là on a une belle vue là. Ouais. Voilà, l'appareil est à peu près. Pas compenser comme tu devrais parce que en fait t'es rapide, regarde il y a 2100 points, tu peux faire un peu moins et donc le petit degré d'assiette, voilà il est en début de et le en final ouais. Piste 08, point compris. Fox India Alpha, piste 08, autorisé atterrissage, vent 0,40 degrés, 6 nœuds. Piste 08, autorisé atterrissage, Fox India Alpha. Tu choix quand t'es à 1000 pieds ici, là. Ouais. En montée. Bah, regarde, tu te poses là. Ah oui, ah, bah, on le voit bien là, effectivement, ah, oui. Ouais. Allez, on va se faire un palier. De grande volée, la pompe la réchauffe. Il est sur le seuil. On s'aligne. 70 nœuds. On allume ça. Novembre Alpha, signal 08 du point. Novembre Alpha, piste occupée, je vous rappelle. Reçu. On passe pas sous le plan. N'oublie pas qu'il fait chaud. Donc, ouais. La vitesse qui chute, hein, ouais, et on s'enfonce. Novembre Alpha, la piste se dégage au bout de pente, piste 08 du autorisé touché, vent 042 27 nœuds. Autorisé touché 08 65. Rotation. Alors tu veux faire un atterrissage de précision? Ouais. Ok. Alors quand tu seras en vent arrière, tu feras le petit briefing. Oh là, il va falloir s'en rappeler alors. Alors bah c'est juste en gros quelle vitesse, quelle précaution. Voilà. Donc pour l'atterrissage de précision, on vise un peu avant le seuil. On est sur du 65. Alors c'est 1,2 de VSO. 1,3. 1,2. Ouais. Donc ça ferait même du 61 alors. 62. Plein volet, on décroche à 45 nœuds. 45 nœuds, donc ça fait 9. Ah bon, ça fait même plus bas que ça alors. 50. Ah bon, si peu que ça. Mais finalement ça fait du 55 nœuds alors, le 5K. Il faut le tenir. Hein. Bah oui. En plus il fait chaud. Voilà. Ouais. D'accord. On va se prendre une petite marge. Ouais. 55, on va dire. Allez, faut que tu Pascal en tour de piste là, on n'a pas du tout la bonne trajectoire. Bien sûr, je t'ai distrait. T'aurais dû me renvoyer chier. Hein. Non. Ah si, si, il faut le faire. T'as autre chose à faire que de m'écouter. Regarde bien la séquence. Ça, c'est intéressant parce que les passagers peuvent te faire le coup. Ah oui. Qu'est-ce que je t'ai dit? On va faire le briefing en vente arrière. Ouais. Et toi, tu commences à me dire, ah ouais, mais faut que je réfléchisse, machin, etc. Ouais. Et moi, je te dis, bon, bah c'est 1,2 vaisseau, machin. Donc, j'ai fait exprès de te balancer le truc qu'on avait dit qu'on ferait en vente arrière. Voilà. Et du coup, pas de checklist, pas de trajectoire, pas de. Donc, quand tu as tes passagers qui te parlent en montée initiale, etc., ouais, tu leur dis, fermez-la. On parle pas maintenant. On parle pas maintenant. Voilà. Tu vois ce que ça génère, les... Ouais. Démonstration par l'exemple. Voilà. Alors tu vois quand elle n'a pas de moteur ici là, regarde où il faut les poser. D'accord. Ah oui. Il ne faut pas viser le terrain parce que là tu es sous 1 AP en fait. Oui. Et 1 AP, c'est pas gagné. Non. C'est faisable. Le vent va te pousser, mais tu as zéro marge de manœuvre. Alors que là les champs qui sont à droite, là, à droite il y en a plein. J'avais jamais trop fait gaffe à cela. Eh oui. On regardera sur la carte ensemble. Alors, allez, vent arrière et après on pose. Donc, on met la pompe, on met la réchauffe, on la tient. On est à 85, un cran de volée. Le détour Fox Novembre Alpha, début de vent arrière pour un toucher 08 dur. Fox Novembre Alpha, numéro 1, rappel signal piste 08 dur. Numéro 1, rappel signal 08 dur, Novembre Alpha. Ok, on est donc stabilisé. Alors, on a dit 1,2 vaisseau. Avec deux grandes volées, c'est 45 nœuds, 45 1,2, on va faire plus 9, hein. Plus 9, hein. Ça fait 54, ça fait 54 nœuds, 54 nœuds, on va arrondir à 55 pour pas se péter, et 55 nœuds pour générer l'arrondi. Oui, voilà. Donc, ça va être difficile de tenir les 54 nœuds ou 55 nœuds en descente, mais c'est faisable. Donc l'idée, c'est d'être au second régime en fait, et d'aller chercher ça dans la dernière partie de la finale. La première partie tu la fais comme d'habitude, puis à un certain moment tu vas enlever ta puissance, tu vas monter ton assiette, chercher la cabrée, chercher la vitesse, réajuster la puissance, et tu sais que tu vas sortir complètement des préaffichages puisque tu vas être au second régime. Voilà. Après, qu'est-ce qui se passe si on s'enfonce? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire si on est en perte de vitesse et qu'on s'enfonce? Là, il n'y a pas de anti-solution, c'est plein gaz. Et on pousse sur le manche, on va perdre de l'altitude, certes, mais fin de l'exercice. Oui, tout à fait. Ouais. On pousse sur le manche un petit peu pour pouvoir accélérer immédiatement et reprendre, éventuellement faire une remise de gaz. Et on vise un peu avant. Et on prend, voilà, on prend un point d'aboutissement en amont du seuil de piste si on veut toucher au seuil de piste. C'est ça. C'est pas une obligation ça, mais bon. Ça c'est quand on est limité en distance, on peut se poser dans un mouchoir de poche. C'est le but de la manœuvre en principe. Après quand tu as une approche parfaitement dégagée en amont de la piste, oui tu peux flotter au-dessus de la piste pendant une bonne distance et toucher les roues là où tu as envie. Nous c'est pas le cas, on a des obstacles en course finale. Donc là, il faut stabiliser sa vitesse le plus tôt possible. D'accord. Donc sortir les volets dès le début de la finale, ralentir et chercher les 60 nœuds dès le début de la finale, pour ne pouvoir qu'à... Deux crans, la pompe, la réchauffe. Voilà, pour avoir à faire que des petites choses. Et 850. Ok, donc là j'ai tout réduit, je suis 70, je suis dans l'axe, donc je cherche la vitesse. Allez, débarrasse-toi de ta check et de ta radio. Donc j'ai fait, ah oui, la radio. Novembre Alpha, signal 08 dur pour toucher. Fox Novembre Alpha, piste 08 dur, autorisé toucher, vent 0,60 degrés et 2 nœuds. Autorisé toucher, non, oui. Ok, donc on est 63, donc on est rapide, je suis tout réduit, voilà. Je suis dans l'axe, 65, donc je casse la vitesse. Par contre, le plan, on est d'accord, on garde notre plan habituel, simplement on va aller chercher, après le passage de la Francilienne, là on peut aller chercher un plan plus faible. Je commence à remettre de la vitesse, de la puissance. Donc point d'aboutissement, ça doit être la jonction entre l'herbe verte et l'herbe marron. D'accord. Donc on est vachement haut par rapport à ce point d'aboutissement là. Plutôt par là alors? Ah, il faut que tu descendes là. Eh ouais. Encore, descends encore, jamais t'auras le seuil ici. Voilà, tu vois, t'es à 60. Là, tu vas résorber, tu tires un peu sur le manche et tu joues sur la puissance. Et tu vois, t'es encore rapide, t'es à 60. Voilà, et réduis tout, hop, voilà, très bien, très bien. Hop. Un peu in extremis, mais au final, c'est ça que tu voulais faire, voilà. Ouais, tout à fait. Allez, on se le refait, on fait un complet à l'issue, ça te suffit? Non, je vais faire un autre tour, vraiment... Alors, sur le dernier, si le trafic le permet, on fera ça avec arrêt sur piste. D'accord. Comme ça, tu verras quelle distance. D'accord. D'accord? Ok. Quelle distance d'atterrissage réelle tu peux obtenir. En fait, la difficulté, tu as vu, ça a été de décaler son point d'aboutissement. Ouais. Parce que tu es resté visuellement sur ce que tu fais une fois dans l'année. Donc, voilà. Il faut garder le même plan, mais pas le même objectif. Pas très simple. Fox Kilo Papa numéro 1, rappelez final piste 08 dur. Par rapport à nos habitudes, c'est pas très simple. Bon, on est 300. À gauche. Qu'est-ce que je fais? Non, on enlève. n'oublie pas que quand tu fais des tours de piste en 0,8, voilà. En fait, on vise le premier pylône et puis on a derrière Echo, enfin pas Echo mais Ferrière. Ouais, moi j'aime bien c'est la petite rangée de sapins toute seule là. Ah oui, c'est ça, ouais, dans l'axe. Ouais, tout à fait. Ok, 80, montée normale. Voilà, ici, si t'as la panne moteur, bah, t'as pas le choix, c'est en dessous, là, dans on évite en ligne haute tension. Ici, là, ouais. Il y a des maisons, tout ça. Ouais. On évite pied, là. Autant dire que c'est sport, hein, parce que, en fait, on est haut pour attirer là, quoi. Ouais. Faut faire des S, faut sortir tous les volets tout de suite. Hein. Là, pour le coup, c'est l'inverse de tout à l'heure. Ouais. On a le petit champ vert, là, qui est pas mal aussi. Demi-tour, 89. Tu vois, regarde ton nez là, on est sous un AP là, pile. Ouais, tu vois, on va en traverser. Ouais, voilà. D'ailleurs, ça serait pas mal de faire une photo. Ah, prochain tour, d'accord. La tour Fox Novembre Alpha, début de lente arrière, reprend à tous les 08 heures. Fox Novembre Alpha, numéro de trafic précédent, Robin, final, rappelez le signal piste 08 heures. Numéro 2, je rappelle le signal 08 heures. Fox Kilo Papa, piste 08 heures, autorisé touché, vent 0,70 degrés, 7 à 19. Autorisé touché, 08 heures, Fox Kilo Papa. On a du 2 ouais, dans la piste. Donc la fin classique, standard. Ouais. Je prends la pompe, la réchauffe. Non, reste là, signal 08 pour un toucher. Fox Novembre Alpha, piste 08, autorisé touché, vent 0,80 degrés, 6 à 10 nœuds. Autorisé touché 08 heures. Hotel de Fox Kilo Papa en vente arrière 08 pour un toucher. Fox Kilo Papa, numéro 1, rappelez finale piste 08 dur. Numéro 1, je rappelle la finale piste 08 dur, Fox Kilo Papa. Sûr d'avoir ta roulette de nez, on tire dessus, on pousse dessus. Ouais. 70 nœuds. Je suis passé un poil au-dessus après à la fin, non? Oui, t'es passé un peu au-dessus du plan de Lognes. Ouais. Mais en vrai, t'as fait un réel atterrissage standard avec une DF15, c'est-à-dire t'es passé 15 mètres au-dessus du seuil. Ah oui, d'accord. Ça correspond à la définition de l'atterrissage, quoi. Ouais. Des 50 en pied. F15 en mètres. Ouais. Mais c'est vrai qu'à Lognes, on fait pas ça parce que 700 mètres, on a envie de... Ouais, bah oui. Mais c'est-à-dire qu'en fait, tu te débrouilles pour être sur le seuil. Voilà. Si tu étais à Auxerre, là, tu vois, en faisant ce que tu as fait là, tu serais posé sur les damiers qui sont prévus pour. Ouais. Avec la marge de sécurité au-dessus du seuil de piste. Ouais. Lognes Sol, Juliette, Québec, bonjour. Québec Kilo, vous êtes avec la tour. Oh, pardon. Bon, un petit deuxième comme ça et c'est bon après. Là, on fait un complet. Tu veux faire encore un complet, oui. Ouais. Là, on fait un complet sur celui-là. Ouais. Ouais, on peut faire un complet là. Ouais. Non, c'est comme tu veux. Hein. Ouais. Je fais ce que tu veux, mais je regarde. Hein. Ouais, on va pouvoir faire un complet là. Okay. Oui, c'était bon là. Je me sentais bien, ça allait. Oui. Alors, tu peux, si tu veux, le tenir un petit peu plus né en l'air après le contact avec le train principal pour pas faire forcément un 3 points qui est un petit peu sec, tu vois. Ouais. Ah oui, la photo. Hop, hop, hop. Je vais le faire vite fait. Tac. Tac. Baisse l'aile gauche que je vois la piste un peu, s'il te plaît. Fox Kilo Papa, voilà. 08. Parfait. Fox Kilo Papa, piste 08, c'est dur autorisé, touché, vent 100 degrés, 6 nœuds. Alors j'ai touché piste 08 sur Fox Kilo Papa. Et le Fox Kilo Papa serait pas un exercice de PT à suivre, s'il vous plaît. Ah, Fox Kilo Papa, reçu, rappel pour débuter. Rappelons pour débuter, Fox Kilo Papa, merci. On met la pompe, la réchauffe, on est dans le... Ah, il est en finale, c'est bon. La grande volée. Nombre Alpha, début de vente arrière pour un complet 08 dur. Novembre Alpha, numéro 1, rappelez finale piste 08 dur. Numéro 1, j'appelle finale 08 dur, Novembre Alpha. On va faire de l'intention, on va faire un atterrissage de précision et carré sur piste, mais on va essayer de pas gêner le... C'est normal, on va reçu. Fox Kilo Hotel Line Tour, bonjour, à niveau piste 08 dur, autorisé décollage, vent 0,90 degrés, 4 nœuds. Décollage de même de droite de route. Alors là dans ta finale, concentre-toi bien, oublie ton seuil de piste visuellement, ouais. Descends un peu plus bas, tu prends le taxiway qui passe devant là, tu vois c'est les différences de couleur d'herbe, c'est le taxiway. Voilà. Et là tu penses, je veux me poser au taxiway. Au taxiway. Voilà. Ouais. À la place des peignes. D'accord. Oui. Et c'est ton point d'aboutissement. Et après, tu vas gérer ton plan à partir de ça. C'est un plan à 5%, c'est pas un plan plus faible, mais c'est un plan décalé. C'est ça. Et en compte final, tu dis, bon ben voilà, je refuse le sol à cet endroit-là, je mets la maison pour aller poser aussi mon vélo. Donc tout se passe comme si finalement, on était plus près de la piste. Donc ça veut dire il faut anticiper sa sortie de volet, sa descente, etc. Tu vois, c'est comme si tu débutais rapide sur le virage. Voilà, c'est comme si tu débutais ta finale un petit peu plus tôt, puisque c'est comme si ta piste était un peu plus près de toi. D'accord, par contre là je suis carrément haut. Ouais. C'est vrai que le fait de mentaliser les choses. Ok, 1000. Et donc là c'est solide droite là, ouais, on va chier sévère lui. Ouais, ouais, mais il n'y a que ça, hein. Ah ben là oui. Alors on est à 1940 pieds, c'est bon. 70 nœuds. Ah, c'est même trop, hein, ici c'est plutôt 700-800. Ouais. Hein, ouais. On est sur un plan 5% ici. Réduit, voilà. Réduit, sortez volet. Donc 2 crans de volet de la pompe, la réchauffe. Lognes tour, Fox Novembre Alpha, final 08 du repos à monter. Fox Novembre Alpha, piste 08 du autorisé atterrissage, vent 0,60 degrés, 6 à 12 nœuds. Autorisé atterrissage, Fox Novembre Alpha. Voilà, ralenti. Et n'oblige pas, nous on veut... Et le Fox Kilo Papa approchant la herbe verte pour débuter. Herbe verte, jonction, herbe verte et herbe marron. D'accord, c'est celui-là que je vise. Fox Kilo Papa, débuté, rappelé, court finale, finale 08 dur. Débutant, rappelons, court finale 08 dur. Et on a visuel sur la finale, Fox Kilo Papa. Fox Kilo Papa, Robin en finale sur la 08 dur. Vise le Fox Kilo Papa. Voilà, laisse descendre, laisse faire comme ça, touche à rien. Voilà, commence à réduire un tout petit peu, allez, pilote ton axe, continue à descendre, réduis un peu, réduis, et surtout te laisse pas, il y avait une pompe là, il faut se bagarrer contre la pompe. Hein. Je l'ai même pas senti. Réduis, et là tu remets, voilà, tu remets des gaz jusqu'à tenir ton avion, voilà, et au seuil tu coupes tout, voilà. Manche arrière, pied sur les freins, freine doucement et regarde à gauche. On est quasiment sur la tour là. Au resto. Ouais, oui, resto. Ok, allez. Ok. On est arrêté au resto. D'accord. Resto, ouais. Et après on regarde sur la carte VAC combien ça fait en mètres. On va voir que ça fait pas beaucoup. Ouais. Kilo Papa, piste 08 du haut en TV, 118.6. Maintien avant point d'attente et 118.6. Le sol Foxon, 08 du haut dégagé, demande roulage au parking tour pour descendre de l'inspecteur. C'est pour un tour de piste à l'issue en solo, correct? À l'issue, 3 tours de piste solo. Sur roulé et... jusque Bravo 2, Fox Novembre Alpha. Je roule au Bravo 2, Fox Novembre Alpha. L'ensemble de Fox, Fox. Alors le Bravo 2, ça doit être la deuxième. Hein. Monsieur Fox Echo, bonjour. Fox Indéco, intervention au parking Fox de Pointe et je souhaiterais rouler pour les pompes. Vous voulez qu'il était à l'essence, Fox Indéco. Je roule ici à l'essence. Après on décortiquera les vols pour les horaires club, tout ça. Ça c'est des alphas, les bravos c'est l'autre ligne. Fox Kilo. Fox Québec Kilo, pardon, prêt au point d'attente 08 du Grand Air. Bravo 2, oui. Fox Québec Kilo, maintien avant point d'attente des 118.6. Le Cessna devant vous ne devrait pas tarder à être prêt. Merci, je maintiens avant le point d'attente et le complexe 118 10. Ouais, allez, ça va le faire. Laisse-moi le manche un peu en avant que je puisse descendre. Sinon, papa, le ramène, on est à 99,51. Le papa roulé, cliquez, mais au revoir. Je laisse la carte d'essence quand même. Ouais. Hop. Voilà. Et voilà. Fox India Papa au point d'attente novembre 4 au départ. Fox India Papa, maintenez avant point d'attente, il est 118-6. On va faire avant point d'attente, sur 118-6, Fox India Papa. Alors à gauche ça diminue, la bille à droite, à l'horizon stable. Et c'est de ah, même si on vient de s'en faire. Bon, 766 gars, bonjour, je vous écoute. Oui, bonjour monsieur, un Cougar au parking Alpha Aviation pour un déplacement vers un roulage vers le Passé. Alors comme je vous reçois faiblement, j'ai cru comprendre que vous voulez aller à l'essence, correct? C'est correct. Dès qu'il était à l'essence, novembre 768 Golf, et vous mettrez côté nord derrière le Père 28. Moi, c'est côté nord. Fox Romeo Delta, bonjour. Fox Golf Kilo Romeo Delta, bonjour. 9 kg Romeo Delta, bonjour. Romeo Delta, au parking de Sadi, demande autorisation de roulage pour l'essence, 2 personnes à bord pour un vol local après. Reçu Fox Romeo Delta, il y a un bimoteur roulant dans la darse pour l'essence déjà, donc maintenez parking, je vous rappellerai parce qu'on a un hélico qui va arriver rapidement aussi à Chopec. Visuel, Romeo Delta, visuel sur le bimoteur et je maintiens parking. Maintenez par qui je vous rappellerai pour rouler, Romeo Delta. C'est reçu, Romeo Delta. Bonjour, Pascal. Bonjour, je n'ai pas reçu l'indicatif. Oui, c'est Romeo Delta. Ah, bonjour, Pascal. Bonjour, Phil. L'hélico là arrive du sud, il va direct au parking, il a des gens un peu malades à bord. Une fois qu'il sera posé, Romeo Delta, vous pourrez rouler pour l'essence. Ouais, c'est reçu, Romeo Delta, on roulera pour l'essence. Après vu les vomix, j'espère. Donc on est à 800 tours. Les magnétos sont sur bof, on ici, la pompe je la mets sur on, l'alternateur il est ok, le réchauffe carbu elle est poussée, l'essence elle est ouverte, la plein riche, l'autonomie on est à 2 donc on est largement bon, le compas, le 340 c'est bien, il a dit 1020 tout à l'heure, on y est, barreau 1020, l'horizon artificiel, les commandes. Tout va bien depuis tout à l'heure. Il n'y a rien qui a gêné depuis. Pompe, elle est sur on. Un cran de volet, 1200 tours, c'est beaucoup mieux. La verrière, je l'ai fermée, ceinture attachée. Il y a tout roulage, Romeo Delta pour l'essence. Je serre, température, température. Pour l'essence. Ok, on est serré. Roulez, quittez les côtes à l'essence. On est bien. Romeo Delta, je quitte, je roule à l'essence. Le briefing, je l'ai fait tout à l'heure, il n'a pas changé. 118.6 est affiché. Donc on le redit quand même, après pas de mineur avant. On réduit, on freine, on prévient le contrôle en cas de pas de mineur après. On fait un tour de piste, 0,8, main gauche, pas de panneau contrôle. 4 pattes majeures. On rend la main, c'est fin, un atterrissage d'urgence en secteur avant, 73 nœuds. Mayday. Au contrôle. Le sol du Fox Novembre Alpha, point d'attente 08, dire je suis prêt. Novembre Alpha maintient avant point d'attente, éveillé 118-6. Je maintiens avant point d'attente, éveillé 118-6, Fox Novembre Alpha. Avec des 5. Fox Novembre Alpha, Lognes Tour, bonjour, alliez-vous piste 08, dur autorisé, décollage, vent 0,50 degrés, 6 nœuds. Je m'aligne 08, dur autorisé, décollage, Fox Novembre Alpha. J'ai la pompe, j'ai un cran de volet, j'ai pas de réchauffe. On fait un départ sur frein comme tout à l'heure. On va voir la différence sans l'instructeur. On devrait décoller plus vite. Hop, on est aligné 0,82. La pompe, pas de réchauffe, un cran vérifié, 7000, bon puissance sur frein, 2100 pour afficher, on lâche talon au plancher, manche en avant, le vent de face, badin actif, pas d'alarme, entre 3 et 4, j'avais pas mis, badin actif donc. Le Kilo Hotel en finale pour la piste 56 nœuds, en rotation, on se sent plus léger effectivement. Fox Kilo Papa, Robin, montée initiale, piste 08, dur autorisé, touché, vent 0,60 degrés 6 nœuds. Le seuil n'est pas arrivé, le seuil est arrivé. Montée initiale toujours. ,450, 78 nœuds, montée normale, 700 pieds. Fox Papa pour que ça patiente. Plus de volet, plus de pompe, pas de réchauffe. Fox Indéco Papa. Montée normale. Fox Papa, on quitte la patience pour passer à l'expo. Quittez, bon vol. On a les arbres, 900 pieds. Papa Juliette, transpondeur 7000, quittez, bonne journée. Papa Juliette, transpondeur 6000, merci, à tout à l'heure. 2000 tours, je mets déjà la réchauffe et la pompe. On cherche 1200 pieds, 80 nœuds. Début de vent arrière, la pompe, la réchauffe, un cran de volet, c'est bon. Le sol, la tour est Novembre Alpha, début de vent arrière, pour un toucher, 08 dur. Fox Novembre Alpha, numéro 1, rappelez la piste 08 dur. Il peut avoir un rappel, final 08 dur, Novembre Alpha. Hop là. On fait bouletinguer, bizarre, il n'y a pas de temps. La turbule en fait. 1900 tours, 80 nœuds, par contre 1300 pieds, voilà, c'est à la pompe en fait. J'ai tout réduit, je maintiens 80, 1260, 1900, 2000 tours. Donc c'était une turbulence, enfin une pompe, quelque chose, qui m'a poussé sur la gauche et qui m'a fait monter, je m'en suis même pas rendu compte. on a les temps. Fox Kilo Hotel en vente arrière pour inscrire sur la piste de route. Fox Kilo Hotel numéro 2 trace précédent Robert Saint-Pente arrière à Pékin à piste de 08h. 02 je rappelle en finale piste de 08h Fox Kilo Hotel. On arrive sur le damier, secteur avant de l'aile, 89. Et on vire, on réduit, 1600, 25, 80, et on cherche 900, 850 pieds. On est 89, 950, voilà, plus bas. Donc là, je vais passer un peu trop bas. La pompe, ça réchauffe. La tour Fox Novembre Alpha, finale pour un toucher de 08 dur. Fox Novembre Alpha, piste 08 dur, autorisé toucher, vent 100 degrés sineux. Autorisé toucher Fox Novembre Alpha, 08 dur. On a l'axe, on a le plan, la vitesse 65 c'est pas mal. J'ai le plan, alors j'ai l'axe déjà. Je pédale, je reprends l'axe, j'ai le plan. 65 nœuds c'est bien, on se fait chahuter, le vent de face, 65 nœuds c'est bien. Hop là. . 65 nœuds, stabilisé, dans l'axe, sur le plan, 63 nœuds, on touche à rien. 62, je commence à réduire, 62 nœuds, je réduis tout, hop là, petit remonté, plus de réchauffe, un cran de volée, plein gaz, badin réactivé, talon plancher, montée initiale, 70 nœuds, Fox Kilo Hotel, piste 08, dur autorisé touché, vent 0,80 degrés 5 nœuds. Autorisé touché, 08 dur touché, Fox Kilo Hotel. À l'issue, ce sera pour des PCU dans un premier temps à 1200 pieds. Reçu Kilo Hotel. C'était pas trop mal, hein. Léger mouvement un peu violent sur la toute fin. Ça m'a fait remonter, j'avais un peu plus de 60 nœuds, effet immédiat. 65 nœuds, je crois que j'étais normal, 80, 660 pieds, je coupe la pompe, je verrouille la réchauffe, 760 pieds, plus de volée. Montée normale 80. On est dans l'axe, donc on a... pieds, 1100, bon, je mets pas la réchauffe tout de suite ni la pompe là, on va le faire tout à l'heure en début de fente arrière, 1230 pieds, on cherche 80 nœuds, pas de trafic, il l'aurait dit, 1220. On casse un peu la vitesse, on remet du gaz, voilà, 82, 1900 tours c'est bien, 1200 piles, l'avion est, bon de toute façon on va le recompenser. la pompe, la réchauffe elle est verrouillée, je mets demi-tour, un grand volet à gauche et à droite. Le détour Fox Novembre Alpha débute en arrière pour un deuxième touché d'horizon. Fox Novembre Alpha numéro 1, rappelez la piste 08h. Il va y avoir un contact final d'horizon. Donc, là, 1900 tours, ça va pas être suffisant. Lognes, bonjour du Fox Kilo Bravo Oscar. 2050, c'était mieux, je pense. Bravo Oscar, Echo, bonjour. Oui, bonjour, on arrive à Echo en provenance de... Attention à la bulle de tout à l'heure. Fox Bravo Oscar, transpondeur 3730, rappelez Echo. 3730 et on appelle Echo. Ah ouais. Non, 2100, hein, sinon je m'enfonce un peu. Fox Hotel Papa, Lone Tour, bonjour, Ayouk 08, tu es autorisé décollage, vent 070 degrés, sinon. Bonjour, on s'aligne 08h et on décolle 08h, Fox Hotel Papa. Fox Kilo Hotel pour débuter. Fox Kilo Hotel débuté, rappelez, continue à petite 08h. On verra en course 08h, Fox Kilo Hotel. Je peux mettre 08 désolé. Fox novembre, pas négatif, une pompe en cours. Fox Kilo Hotel, on arrive en cours 08 heures. Fox Kilo Hotel, piste 08, tu es autorisé, touché, vent 070 degrés, 5 nœuds. Touché, piste 08 heures, Fox Kilo Hotel. Fox Bravo Oscar, on arrive à Echo. Fox Bravo Oscar, entrée et rappelez vent arrière, main gauche, piste 08. Je rappelle en vent arrière 08, Fox Bravo Oscar. Donc là on a 800 pieds. J'ai ouvert le terre. Deux grandes volées. Novembre Alpha, toucher 08 dur, on pourra toucher 08 dur au final. Fox Novembre Alpha, piste 08 dur, autorité touchée, vent 100 degrés sineux. Autorité touchée 08 dur, Fox Novembre Alpha. Donc on a l'axe, le plan, 65 nœuds, 620 pieds c'est bien, stabilisé 65 nœuds sur le plan. Le vent, il vient d'où le vent, je le vois même pas. Hop là. Ah, de face. Bah, il dit nœud de face. Il est gentil. J'aurais dit un Ryota. Indéco, line tour, bonjour, allez-vous piste 08, durée, attendez. Un cran, réchauffe, un cran confirmé, plein gaz. 54 nœuds. Fox Hôtel Papa, transpondeur, 7000, quittez à tout à l'heure. Et Fox Hôtel Papa, on va veiller la fréquence, on va faire une arrivée par le site pour faire la procédure panne radio avant la pause des midi, si ça vous dérange pas. Reçu Hôtel Papa. Fox Indéco, piste 08, dur autorisé décollage, vent 100 degrés 5 nœuds. Fox Indéco, je décolle 08, dur. Fox Bravo Oscar, numéro 1, rappelez finale, piste 08, dur. Fox Bravo Oscar, numéro 1, rappelez finale, piste 08, dur. Fox Bravo Oscar, piste 08. Plus de volets, plus de pompe. Rappel. Pas de réchauffe. Hop là. Fox Kilo Hotel, numéro 2, trafic précédent, Cessna, fin de vent arrière, appelé finale piste 08h. En fait c'est pour des PTU, donc on va faire une série de PTU. Fox Kilo Hotel, reçu rappel pour débuter. On rappellera pour débuter Kilo Hotel. Trafic Cessna, balle, rappel visuel. On a l'usage, c'est pour débuter Kilo Hotel. Vous partez passer devant Kilo Hotel? Oui, je peux. Poste Kilo Hotel, débuter rappel continue à piste 08. On porte 08 sur Kilo Hotel. C'est la réponse, Sierra 500, bonjour. Fox Bravo Oscar, trafic HR 200, dernier virage PCU pour la voiture. Bien, bien reçu, Fox Bravo Oscar. Arrive en Fox Kilo Hotel. Fox Kilo Hotel, piste 08, dur autorisé, touché, vent de regard bleu S9. Autorisé, touché, piste 08 en Fox Kilo Hotel. On est dans le blanc, 30 relais gauche et droite, 1200 pieds, 79, c'est bon. Fox Indéco, transpondeur 7000 qui était tout à l'heure. Oui, Fox Indéco, est-ce qu'on peut procéder direct sur le point Echo? On retourne sur le temps. Et donc au rebonjour des Fox Golf Alpha, Hôtel Papa, on arrive par le sud pour une procédure panne radio. Oui, c'est bien pris pour la procédure Hôtel Papa, rappelez, je vous rappelle pour suivre. Bonjour, c'était pas. Log de Fox Québec Kilo, rebonjour. Fox Québec Kilo, line pour rebonjour, transpondeur 3731, rappelez Echo. 3731, je rappelle Echo et j'ai Delta Fox Québec Kilo. Et Fox Indéco, vous désirez rentrer sur le, c'est bien ça Indéco? Ah si, on peut absolument rentrer. On peut protéger sur Echo et retourner. Fox Indéco, rappelez Echo, 3730. ADP à l'un de la tour. Facteur d'écoute. Oui, alors juste pour question, à partir de 12h38 local, là on est en auto-info, tu désires poursuivre la pompe en auto-info ou tu vas quitter jusqu'à la reprise de service à tête il y a 30 heures? Du sud pour Lognes à l'écoute. Novembre Alpha, final droit complet 08 Lyon. Fox Novembre Alpha, piste 08, du autorisé atterrissage, vent 032 79. Autorisé atterrissage, Fox Novembre Alpha 08 Lyon. Trafic Robin approchant du sud pour Lognes, si vous recevez Lognes, transpondeur Ident. Fox Kilo Hotel débuté, rappelez courte finale 08h, trafic Robin, courte au complet. On a visé ce trafic et on débute en rappelant en courte 08h Kilo Hotel. Trafic Robin, coupure du site pour Lognes, ident observé, je considère que vous êtes en exercice de panne d'émission. Trafic Cessna 1h, début de vente arrière, vous prévoirez de vous intégrer derrière, je vous rappelle, trafic Robin, coupure du site. Fox Québec Kilo, point Echo. Québec Kilo, entrée rappelée 21h08, trafic Tecna, montée initiale, ignoré, ça en local. Ok, je rappelle en début de vente arrière 08, Fox Kilo, on entend. Fox Sierra Tango, trafic Robin, travers gauche, en exercice pan radio, va rejoindre la vente arrière derrière vous. Reçu, je surveille, Fox Sierra Tango. Hôtel Papa, vous me poursuivez, entrée vente arrière, main gauche 08, rappelez, et je vous rappelle dans la vente arrière, le Cessna est croisé dans vos midis. Poursuivez sur le cap actuel, Hôtel Papa. En cours, qui est Hôtel ? Qui est Hôtel autorisé, 08 Dur, 030 degrés 5 nœuds. Fox Sierra Tango numéro 1 dans le public, rappelez final 08 Dur. Numéro 1, final 08 Dur, Sierra Tango. Donc on est à 7000, on passe sur le sol. Je maintiens point combat Delta. Le sol, Fox Novembre Alpha, 08 Dur dégagé de roulage au parc. Qui était à Sadine, on va faire, au revoir. Je roule, je dis à Sadine, au revoir, merci, bonne journée. Et il est 26. Donc dans vos billets, l'option HEP. Ok, Novembre Alpha, bah, je vais mettre. Comment est-ce que je vais mettre Novembre Alpha à gauche? Non. Bon. On relâche, on freine et on va le pousser. On met mi-tour, frein, pression, on coupe tout. Anticol, batterie, clé. Et on respire. Yes. 1h38. Allez, si ça c'était pas bon aujourd'hui, je sais pas ce qui était bon. Bon, à la prochaine fois pour un vol destination de Cannes, tout va bien. Pilote.